Youth. Ce soir, on commence en mode plaquage avec une équipe française de football américain. Keep the Youth, le groupe de rock qui cartonne, ne renie pas ses origines et ils sont même un peu trop Marwal Forever pour moi. Le yaourt, c'est tendance, la preuve avec cette boutique 100% goat milk. Lia est une jeune femme charmante, c'est le cas de le dire. En revanche, son compagnon au sang-froid, comment dire, il m'a pas séduit de plus que ça. Non, c'est pas faute d'avoir essayé en plus, hein. Et on finit jusqu'au bout de la nuit, ou presque, dans un squad d'artistes surprenants, déroutants, totalement parisiens, quoi. Dans la famille des métiers pas banal, je demande le métier de charmeuse de serpent. Bon, l'avantage c'est que celui-ci rentre aussi dans la catégorie des métiers dangereux et des métiers qui font flipper. Peut-être la même chose. Bonjour Lia. Bonjour Maïla. Je suis pas sûre d'être hyper fan de ton amie. Je ne sais pas pourquoi. Je vais me mettre là, tu vois, je me sens très bien de l'autre côté. Mais dis-moi, quel est ce métier complètement improbable de charmeuse de serpent? Ah, il est sympa en plus, j'ai l'impression qu'il a envie de me dire bonjour. Non, en fait, c'est juste qu'il a besoin de deux points d'appui. Je vais le soulager un petit peu. Il pèse combien? 10 kilos. Ah ouais, quand même. Mais alors, comment t'en es venue à ce métier? Alors, en fait, c'est une passion. Et comme je suis artiste aussi, j'ai voulu faire une formation d'artiste plus qu'un autre métier. Ben, j'ai allié les deux en fait, les serpents et... Et c'est une passion depuis toute petite, les serpents. Un rêve de petite fille de devenir charmeuse de serpents. Bah, quand j'étais petite fille, je voulais plus être sorcière ou quelque chose d'un d'accord, peu comme oui, ça. D'accord, donc il y a un aspect, tu aimes les choses un peu particulières quoi. J'étais peut-être pas du côté princesse, voilà, c'est ça. Mais pourtant, tu es un peu habillée comme une princesse pour le coup. Merci. Tu en as combien de serpents chez toi? Alors chez moi, j'en ai 5. On peut pas avoir des serpents chez soi comme ça, j'imagine qu'il y a des autorisations à avoir ou pas? Si, par exemple, pour avoir un boa comme ça, tu peux avoir un boa chez toi. Après, au bout de 3 boas adultes, il faut une autorisation, il y a des quotas en fait. D'accord. Voilà. Et pour les présenter au public, il faut un certificat de capacité. Moi aussi, j'ai un peu du mal avec le poids et tout. Et le... Ouais, non, j'imagine. Juste alors, après, j'aurais bien proposé de t'aider à le porter, mais honnêtement, non. Comment est-ce qu'on on dresse un serpent? Alors en fait, on ne dresse pas un serpent, il faut le connaître et s'habituer à lui. Donc c'est pas comme un chien, tu peux pas lui faire quelque chose. Donc en fait, moi je dois m'habituer à lui. Donc là, j'ai appris à le connaître, j'ai adapté ma danse au serpent parce que je viens plutôt du jazz. Donc là, j'ai choisi le tribal fusion, plutôt oriental, doux. Voilà, d'accord. Quelque chose où il y a beaucoup de mouvements dans la lenteur, en fait. Comme le serpent, aller au final, avec une certaine sensualité. C'est moi, ça. Ce que je prends pour de l'agression, mais c'est parce que ça n'engage que moi. Et son petit prénom, c'est quoi? Alors, celui-ci, c'est Django. Ah, Django. Très, très belle référence. Eh bien, écoute, je te souhaite une très bonne journée. Donc tu tentes pas la danse avec le serpent aujourd'hui. Peut-être si tu en as un qui est comme ça. Peut-être si tu en as un qui est comme ça, je veux bien, mais celui-ci, je sais pas pourquoi on n'a pas d'atome. Ça fera pas le même effet. Ouais. Je pense que tu peux le faire. Si tu lui tiens la tête, c'est juste en fait, il faut pas que j'ai sa tête en face de moi parce que peut-être je vais m'évanouir, tu sais. Mets-toi à côté de moi ici. Je ne respire plus. Voilà, respire maintenant. Tu vois? Tu as sa tête? Tu as sa tête? Oui, oui. C'est pas sa tête là? Ça, c'est sa queue. Salut! Ah! Voilà,
Donc la prochaine fois, tu pourras danser avec. C'est déjà une première étape. Ça s'est bien passé? Oui, oui. En fait, il faut juste pas qu'il bouge. Tant qu'il bouge pas, je le prends pour un boa, tu sais, avec des plumes. Oui. Et après, dès qu'il se met à bouger, c'est... Mais je peux... Non, reste pas. Je peux retoucher son corps? Ah ouais, là, c'est très... En fait, c'est très sensuel. Hein. C'est un vrai glissement. Tu vois, faut pas le manipuler plus de... Moi, 20 minutes, ça suffit. Déjà, c'est un stress pour lui de le manipuler. D'accord. Donc, je fais très attention. C'est pour ça que j'ai plusieurs serpents pour pouvoir... Pour avoir le loisir de changer sur chaque show, pour pas les faire travailler plus qu'il ne faut. Écoute, je pense que les 20 minutes de Django sont écoulées. Voilà. Moi, je vais y aller. Je vais continuer ma nuit. Je te souhaite une belle soirée. C'est pareil, je t'aurais bien fait la bise, le cœur riait, mais il est un tout petit peu trop près. Non, ça marche. Mais... Salut. Waouh. Bonne nuit. Je sens que tu l'aimes bien là quand même. C'est ça. Mais quand il est dans ton cou en fait, pas quand il est dans le mien. Salut Maëva. Alors, merci. Attends, comment est-ce qu'on fait pour sortir quand il y a un serpent? On y va en reculant. Hop là. À bientôt. À bientôt. Oh. What a terrible world. And it all gets more peculiar every single day. We can't sleep, so despite our slumber, what a terrible day.